hôtel de Dakar, toujours dans les coulisses de Miss Sénégal Nouvelle Vision 2020. Et cette fois-ci, chers téléspectateurs de A2i TV et Ensuite Media TV, je vais vous faire découvrir un opérateur téléphonique réseau et en même temps application qui pourra bien sûr vous intéresser, à savoir Ayo Télécom. Et pour cela, j'ai fait appel à M. Djibril Sy, coordonnateur commercial de Ayo Télécom au niveau de Matam. M. Djibril, bonsoir. Bonsoir, Aziz. Et aussi, à ma droite, j'ai un Sénégalais de la diaspora qui était en Italie, voilà, qui a été aussi distributeur agréé de Ayo, à savoir M. Elash Falungay. M. Elash, bonsoir. Oui. Alors, comme vous l'avez entendu, Ayo Télécom, un nouvel opérateur téléphonique réseau qui voit le jour. Mais quand même, M. Djibril, pouvez-vous nous dire d'où vient le nom de Ayo et qu'est-ce que ça signifie? Je dirais d'abord que Ayo, c'est le nom commercial, c'est le label. Et Ayo signifie bienvenue en polar, c'est un mot polar. Mais la structure mère, donc, c'est CSU, Consortium Service Universel, n'est-ce pas? Donc, dans la téléphonie. Et nous avons, notre direction générale a opté le nom Ayo comme un nom commercial afin de pouvoir donc vendre. Mais aujourd'hui, vous êtes au Sénégal depuis quand? Nous sommes au Sénégal depuis 2010, date de notre licence, mais pratiquement c'est en 2013 que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a inauguré donc Ayo Telecom à Ourossogui, donc dans le Matam. Oui, vous êtes présent ici au Sénégal, mais exactement, plus précisément au niveau de où? Quelle zone? Au niveau de la région de Matam, donc nous avons une licence pilote et qui nous a circonscrit donc dans la région de Matam. Donc toutes nos activités que nous faisons donc dans le pays, c'est seulement au niveau donc de la région de Matam. D'accord. Et à l'international? Oui, à l'international, comme nous vendons donc nos produits avec donc nos applications, certainement que vous allez en revenir. Donc vous savez que Matam est une zone où il y a beaucoup d'émigrés. Et ce que nous vendons, qui est une application donc de téléphonie, est bien utilisée par la diaspora. Oui, vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, la majeure partie d'entre vous ne connaissez pas tout simplement l'opérateur téléphonique Ayo. Et M. Djibril, pensez-vous que, trouvez-vous en tout cas normal que Ayo existe depuis 2013 et que la majeure partie aujourd'hui de la population sénégalaise, je veux dire, ignore voilà, l'existence? Oui et non. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes circonscrits dans la région de Matam, alors que généralement, par rapport aux autres opérateurs, les gens ont l'habitude de voir, nos compatriotes sénégalais ont l'habitude de voir que ces opérateurs qui existaient, donc, maillaient le territoire national. Alors, comme je l'ai dit tantôt, donc, nous avons une licence pilote qui nous a circonscrit donc, dans la région de Matam, comme on dit pilote, donc c'est une phase à dépasser et, Inch'Allah, on espère franchir la prochaine étape bientôt. Parce que tout à l'heure, je ne voulais pas faire d'études comparatives en fait, mais quand même, si on prend l'exemple de Free, alors Free a été déjà connu avant de s'installer dans le marché. Donc ça a été un peu le suspense en fait, parce qu'on connaissait déjà Free alors qu'ils n'étaient pas encore installés. Maintenant, Ayo qui existe depuis 2013, c'est vrai, il y a des étapes à suivre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Ayo peut être en concurrence avec Free? En concurrence? Oui, dans la région de Matam, parce que je me réfère toujours à cette licence-là qui nous a circonscrit dans la région de Matam. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous avons une licence de téléphonie mobile, donc, mais en IP. Les gens ont l'habitude de voir des puces concrètes, c'est-à-dire qu'on enlève, qu'on remet donc, dans un portable du jour au lendemain. Alors que pour l'application, donc, nous la téléchargeons, n'est-ce pas, et nous la mettons donc, au niveau donc, des smartphones. N'est-ce pas? Ce qui fait un peu donc la différence. Aussi, sur le plan peut-être de la concurrence, nous, nos appels, quel que soit l'endroit où on va voyager, notre application, ou bien notre téléphone, notre numéro de téléphone ne connaît pas le système roaming. C'est-à-dire que vous soyez au Sénégal, en France ou bien en Amérique, vous appelez, c'est comme si c'était un appel local. Et ce qui fait qu'effectivement, ça fait un grand écho au niveau donc, de la diaspora, qui sont nos grands clients. Nous allons revenir tout à l'heure sur les approfondissements parce que tout à l'heure on a parlé de l'international et ça tombe bien parce qu'on a un Sénégalais de la diaspora qui était en Italie, qui était aussi revendeur agréé, distributeur agréé pardon, de Ayo. Donc Monsieur Ndiaye, nous avons une école Italie. Amkoula Bole, Tibé Rezobi, je peux dire, Gayat Kibi, plus bi. Wow, deug la man dama nek Italie et puis dama nek tim ci son réseau bi quoi comme li wër Sénégal Afrique dal et puis am sama ben xarit ko ni wax Moussa Ndiaye
de Modou Ndiaye mom moma duggal ci hayo mom nak taxawayam la fi taxawé lepp lu muy wax da naka ci cadeau la ndax mo fi warona tew mais xagn na ay tekk tekk motax. D'accord, mais yow tay da nga bi nga nekké Italie da nga don jaayat plus bi ñi bi ci nga Sénégal certes, mais est-ce que bi nga nekké Italie utilité bobu en fait ñan ngeen ciblé won ban population ngeen don jaay plus bi? Waaw lolu deug la, man instant bi may nek Italie sax bobu nekuma won ci ndjay mi, mais après bima genné Italie lama dugg ci, waye téewul nak li ëpp ci samay ci ñi may jaay ñu fi Italie la nek wala ci Europe bi dal, Europe ci la nek wala Asie wala Amérique fo mëna nek rek. Waaw ñi ciblé nak Sénégalais yi la doon jël ndax gannaaw piece bi bokoy am carte d'identité sénégalais bu valé bu tox mom nga koy identifier li ci ëpp ci manam ci Sénégalais lañ ko doon takal. D'accord, maintenant ci wax bu gatt plus ayo nan la doon permettre tay Sénégalais yi nek à l'étranger, genre lan la gëna yombalal ci walu wote bi? Waaw hayo nak mom ci ku nek à l'extérieur ya xam yaangi Europe wala yaangi Asie wala fo mëna nek ci monde bi rek, mom amna importance bo xamna si ak neexay bo xamna si ku ko musul rek mëno xam li ci hayo, ndax vraiment yombal na ñëpp ndax bo fa nekké entre légui li xew mëno woté sa parents yi nga xamné xagn xamuñu téléphone yi nga xamné moy yi xew, mais hayo mom soko amé mu nekk international ya nga xam ya nga Europe wala ya nga Sénégal fofu nekk rek da fay dox machallah. Kon dal ayo ci wax bu gatt daf doon yombalal ki bi échange bi? Waaw ayo dal ci wax bu gatt dal da fay yombal étranger bi nga xamné ya nga Europe wala fo mëna nekk rek pour ci nga woté Sénégal ki ngay won nak mo xam fu mëna nekk Sénégal, bu fekke mom fam nek rek resom doxna rek dang koy meuna jot ci wax deug yalla ci lu yomb ngay wote mom melni yaangi bir Senegal mo neex lol ayo dal ko mos ta nga takamtiko. Legui biñu wax legui ak monsieur Djibril mom dafa waxone affaireu concurrence manam affaireu ci marché, parce que xam nga ayo nekul même plus mom kesse mo nek fini au niveau Sénégal, amna yenen plus fini comme ay orange comme ay fruits ak yoy. Legui xamna dama koy lacc mom monsieur Djibril, qu'est-ce qui fait la différence entre les puces ayo et les puces fruits orange? Ouais, comme je le disais tantôt, donc pour les autres opérateurs, les clients ont ce qu'on appelle des puces concrètes, c'est-à-dire qu'on manipule, n'est-ce pas, avec nos doigts. Alors que pour Hayo, c'est une application, donc c'est digital, n'est-ce pas? Donc c'est une application qu'on télécharge et qu'on met donc au niveau donc de notre smartphone. Ça, c'est une particularité. L'autre particularité également, comme je l'ai dit tantôt, chez nous, la téléphonie ne connaît pas de roaming. Que ce soit au Sénégal, en Amérique ou bien en Europe, en Afrique centrale, partout où vous êtes, quand vous appelez, c'est comme si vous émettiez un appel local, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est ça la grande différence, quoi, pratiquement. Mais monsieur Gibril, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est caractérisé par les échanges. C'est pour ça que la plupart des gens, aujourd'hui, ils utilisent les porte-monnaies électroniques. Donc est-ce que vous avez développé peut-être un système de paiement, sinon de recharge à travers votre application? Oui, effectivement, la direction générale est consciente de cela. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint cette étape-là, mais ça y est effectivement donc dans les perspectives. D'accord. En tout cas, les perspectives, on attend. Mais tout à l'heure aussi, j'étais en train de parler avec notre Sénégalais de la diaspora. Donc, monsieur Djibril, il a parlé des avantages et tout. Mais il y a une ramenée dans la donne d'Aïe plus B. Tay, dans la donne d'Aïe Ayo. Ban particularité la am lan comme yow wax nga dafa neex ko ko ñamul do xam lu mi saf, donc yow en tant que revendeur agréé, lan ban différence wala ban particularité mom la ayo am, peut-être mom nga doon utiliser sax pour bapp nit ñi ñu jënd ko? Waaw ndax ayo dafa nek lo xam si comme ni nga ko waxe rek, amna ñu bari ño xam si dañ ko umplé pour nga wax mu dugg ci bopam nak dana xawa jafé, mais nak ko waxtanal bam xam mos li ci ayo. Surtout manam xamna ñun hayo ñun Sénégalais ñun ñoko mom manam produit wala bo xamna ci Sénégalais yi ñom ñoko mom, kon nak bép Sénégalais fo waye mëna nek rek war nga mëna fexé am sa piece hayo di ci woté ya xam yaangi Europe wala yaangi Afrique. Légui avant ñu jéxal émission bi monsieur Djibril dafa waxon légui ayo matam rek la yam, donc yow né nga appé dugum nga ci ki bi ci affaire commerce bi ci ci réseau bi té tay yaangi Touba. Donc lan mo tax xalaato peut-être nga jël ayo bu nek matam nga yobbu ko Touba? Waaw monsieur Djibril lim wax mu ne ayo d'accord xagnam pir matam lay mon, mais instant bi ñu tollu mom fiñ tollu man monde international la man nga ne fiñ tollu fep Touba tim lolu ñong ci xalaat ci ki nga xamne man moy ci la wëru muy ko melne Modou
ako melne ñom ñi ñoo fexé ñu mëna fexé ba duggal ko biir Touba ndax tim wa Touba tim wax deug yalla man na mané bu ndé wax mbirum tukki bané ñu bare 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 Touba ñoo koy xalat ndax Touba tim lepp loy def rek ci jamono bi ñu nekk ci biir Sénégal te bëgg mu dox nang ci bayyi xel wa Touba ndax ñu bare bare ay revendeur yu melne man ñoo ngi biir Touba ñu bari ñoo xam ci ñoo ci diaspora bi mais biir Touba fa lañ dëkk te ñoom tim ñoo ngi liggéey ci biir Ayo. Ah donc avant ñu tej émission aussi damay déluat ci monsieur Djibril Malako parce que oui yow suñu sénégalais de la diaspora bi défendre nga sa bop défendre nga aussi wa Touba mais bon toujours on est dans les perspectives espérons que dina concret un jour. Maintenant monsieur Djibril est-ce que vous menez une action sinon quelle est votre implication dans l'immigration le phénomène je peux dire qui est général aujourd'hui qui est très très présent ici. Oui bon l'action que nous menons, c'est par rapport à ce qui se fait au Sénégal. Donc, appuyer d'abord les gens qui sont à l'extérieur, de par donc, réduire donc, la tarification qui coûte de plus en plus cher avec les autres. Ça, c'est... Mais également au niveau de la jeunesse, Ayo, c'est une société de téléphonie, comme je l'ai dit tantôt. Et rien qu'à Matin, actuellement, nous avons 100 employés, 100 emplois directs et indirects. N'est-ce pas? Donc une vingtaine donc, d'ingénieurs. Et tous 100% sénégalais. N'est-ce pas? Donc ça, je pense que c'est participer effectivement à trouver donc, de l'emploi donc, à la jeunesse donc, de notre pays. N'est-ce pas? Maintenant, je ne sais pas si je peux faire une extrapolation. Parce que j'avais omis effectivement de préciser que le numéro Hayos commence par 72. Donc l'indicatif de Hayos 72. Par exemple, le mien, c'est le 72-110-019. N'est-ce pas? Le hotline, c'est le 72-112-12. Donc pour les gens qui voudraient donc demander donc des renseignements par rapport au réseau. Oui, mais bon, avant de quitter quand même, je pense que les téléspectateurs méritent de savoir comment faire pour avoir aujourd'hui l'opérateur Ayo. Est-ce qu'il faut se rendre jusqu'à Matam ou est-ce qu'il faut juste télécharger l'application? Oui, on peut télécharger l'application partout où on est, hein, parce que l'application, comme on sait, donc c'est partout où on est dans, où on se trouve dans le monde, on peut télécharger. Mais effectivement, donc nous, comme je l'ai dit tantôt, la commercialisation se fait au niveau donc, de Matam. Donc, nous sommes circonscrits et il y a des textes donc, qui régissent cette loi-là. Donc c'est pourquoi que, donc, on ne peut pas vendre hors de la région de Matam. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous touchons du bas, nous espérons que d'ici sous peu, l'État va nous permettre effectivement de franchir donc, la région de Matam pour aller donc, vers les autres régions. Parce que je sais que nos autres parents qui sont donc, dans les autres régions, que ce soit du sud ou bien donc du Sénégal oriental, pourquoi pas ici à Dakar et donc dans les régions, ont besoin de Ayo. Parce qu'à chaque fois, ils nous appellent, ils nous demandent quand est-ce que vous venez chez nous, quand est-ce que vous venez chez nous. Bon, je pense que le message est bien passé et que bientôt les perspectives seront concrètes. Je pense que l'essentiel aussi a été dit. Donc, monsieur Djibril, nous allons clôturer l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, donc d'abord, vous remercie encore. Donc encore dire que Hayo est présente donc dans actuellement à Dakar. Nous sommes là en train de faire l'émission. Pourquoi? Parce qu'il y a comme on dit donc il y a une cause. Cette cause là c'est quoi? C'est la finale donc de Miss Sénégal et Hayo donc dans sa mission sociétale a toujours la direction générale a toujours appuyé la jeunesse donc de Matam. Donc à travers donc, les mouvements associatifs comme les ODECAV, à travers donc, Miss Science, Miss Mathématiques donc dans les écoles avec l'Académie de Matam, à travers également les services de sécurité qui sont donc dans la région en leur fournissant donc l'internet parce que c'était une zone enclavée que Matam que Hayo effectivement a vraiment lancé ce défi à cela et actuellement donc comme nous sommes présents à Dakar pour accompagner donc la Miss Matam et inviter toute la population de Matam, que ce soit que les immigrés, que les résidents, qu'ils soutiennent effectivement, comme le fait Hayo, la Miss. Et je dirais aussi également qu'au niveau donc, des réalisations de Hayo, parce que nous, dans nos cahiers de charges, on nous avait demandé donc, de couvrir les 166 villages de Matam. Parce que Matam, tout le monde savait, ou bien sait que Matam faisait partie des régions les plus enclavées. Mais avec l'arrivée de Hayo, on a vu que plus de 208 villages couverts par le réseau Internet et donc Wi-Fi, haut débit et également par la téléphonie. Et actuellement, bon, je ne dirais pas que les populations sont satisfaites 100%, mais je peux dire, et c'est attesté, vous allez dans certains villages, vous allez voir des enfants qui portent le nom Hayo. Pourquoi Hayo? Parce qu'à un certain moment,
le moment qui était en état de grossesse était abonné à Hayo. Donc à leur naissance, ils ont dit que vraiment, pour, comme on dit en wolof, de l'onjukol Hayo, ils donnent leur nom à leur enfant comme Hayo. Et actuellement, ces enfants-là sont âgés de 10 ans ou bien de 6 ans, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ah, merci beaucoup, monsieur Djibril. Alors, monsieur Fallou, nous avons fait l'émission. Est-ce que vous avez un cadeau que vous voulez dire avant de clôturer? Waaw kaddu bima ci dol da xana di doli di sante Moussa Ndiaye ak sun sama bokk revendeur yépp yi nga xamné ñoo ngi yëngu ci Hayo ak di wax tim ñu gëna jappalé sunu miss bi nga xamné moy miss à l'extérieur bi quoi moy miss manam bu diaspora bi quoi mo tim gis na ko ci bir mbolo mi nan ko jappalé ñun yi nga xamné ñepp ñoo fété ci diaspora bi di wa miss Sénégal Italie bi quoi di sante ñepp di gërëm ñepp di sante nak Moussa Ndiaye te xamné ci kaddom mom la fi téw dal di sante nak sama mbokk revendeur yi nga xamné ñom tim choone yi ngi daj xagn na ñom rek ñoko xam mais liguey bu metti la tim ma sha Allah ñu ngi leen di sante aussi bu ba. Alors merci beaucoup monsieur Djibril d'avoir répondu à... Oui, alors merci beaucoup à monsieur Djibril et monsieur Fallou d'avoir répondu à notre invitation. Continuez à nous suivre chers téléspectateurs à travers A2i TV and Submedia TV. À bientôt.